Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Forgotten but Unbroken. On continue de tenter de survivre. Alors c'est un peu mou sur le démarrage, je veux pas le nier, notamment au niveau des missions. Ouais, le moral ça va, le moral il va bien, tout va bien, pas de problème, laisse mon moral tranquille. On gagne un truc par jour. Ah non, on a quand même nos proper meals là. Mais on consomme. Ah, on est repassé à 39. D'accord, donc non, ok, ça fout la merde quand on construit ça. On n'a plus les bonus. Très bien. Donc le jeu nous dit vraiment fuck quoi. Prépare-toi en chier. Nickel. Mais je pense qu'à long terme, ça va nous aider. Hein. À long terme, on va consommer moins de bouffe, et c'est quand même vraiment la bouffe qui est problématique. Alors lui, il en est où? Combien de temps il faut pour réparer? Ah, il répare simultanément. Ok, cool. Il a réparé la stène. Du coup, il y a un petit slot. On peut mettre le Nagen à réparer qu'on a récupéré, par exemple. Et on a un petit slot aussi, j'avais pas vu. Tiens, allez, go. Cramer un peu d'outils. C'était quoi ce bouton? Armory Storage, pardon. Ok. Il nous faut encore un jour avant de renvoyer une expédition. On va s'y préparer. Là, on aura une belle cuisine en bois et tout, quoi. En dur. Avec un beau parquet. Allez, c'est le 30. Voilà. On peut renvoyer du monde. Chasser plutôt, ouais. Plutôt chasser. Allez, vas-y. On va peut-être retenter un petit message à nos amis aussi. Allez, gars. J'ai fait plein de trucs cool avec mes ressources. Vous voulez pas m'en envoyer d'autres ? On a combien de sous là? On a récupéré 1000 balles. Bon, on va essayer. On va réessayer là un petit message au weapon dealer. Allez, terminez-moi cette cuisine là. Ça y est. Ça y est. Alors, est-ce qu'il est toujours assigné, le monsieur? Oui. Et du coup, on a de la bouffe jusqu'au 11 septembre. Ok. Très bien. Et on peut faire ça ou ça. On va faire ça. Hop. Réduire la consommation de nourriture au maximum. On va voir ce que ça donne. Et là, pour le moment, ils sont pas fans de nos actions. Donc on fait ce qu'on peut. On est le 1er septembre. On n'a plus de bouffe le 15. Plus d'outils et plus de bois. Ok. Attends, le 12 septembre. Pourquoi t'es tout en haut, toi? Ah non, 42. Oui, 1942, c'est bon. On a pour un petit moment quand même. Non, ils veulent pas nous aider. Ils veulent pas nous aider. J'aimerais bien que notre chasse soit un succès par contre. Parce que là, même avec la cuisine plus, c'est pas ouf quoi les résultats.
Ah oui, ça diminue la consommation de bois, pas de nourriture. Par contre, on a un meilleur boost au moral, ça c'est cool, mais... Le moral remonte quand même bien. Et toi, t'en es où? Là, c'est réparé, c'est réparé, c'est réparé, parfait, on va se détendre. Ça, on laisse. Et les autres, ils ont des trucs à genre 98%. Donc, ça va le faire. On va terminer de réparer ça. Et ça ira bien. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à chasser des trucs? Oh, mais non! Mais vous êtes sérieux? Un vol, quoi. Aïe 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 aïe. Il peut pas y avoir des événements positifs, genre les mecs qui retrouvent des ressources qu'on a perdues. Je pense, soulevant un caillou, un truc du genre. Putain. Prépare de la popote, toi. Alors, la chasse. Ah. Ils ont réussi à récupérer 238 de bouffe. On passe à 550 et ça nous sécurise jusqu'au 17 septembre seulement. Donc le cooldown d'opération... Ah non, non, jusqu'au 23 septembre, mais le cooldown c'est le 17. Ok, donc si on arrive à faire que des chasses réussies, ça peut passer. On va essayer de leur demander de la bouffe à Moscou, là, en attendant. C'est bien gentil de nous laisser comme ça avec rien à faire, mais... Faut qu'on survive aussi, nous. Il y a un moment, le bois va manquer parce qu'il va falloir qu'on chauffe. Hein. On est en septembre, donc je pense que c'est encore un peu tôt, mais l'hiver va tomber et là, ça va être pas la même. Hein. Avec les petites douches en extérieur, là, qui vont bien faire plaisir. Dans le gel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sorry. Bah, pas tant que moi. Le cooldown, c'est le 17. New mission, excellent. Qu'est-ce qu'on nous propose? Une mission pour les Russes. Intercepte et annihiler le convoi ennemi. Time is critical. De la thune, de la nourriture et un peu de médecine. Ok. Ça me paraît pas mal. On va save. Et on va se tenter ça. Alors, l'ennemi est en train de préparer des renforts à travers cette région vers le front de l'Est, ce qui devient rapidement ingérable. On a identifié un endroit parfait pour une embuscade. Votre objectif est d'arrêter et d'oblitérer ces renforts pour permettre à nos unités l'opportunité de battre en retraite de manière sûre. Ok. Le timing est critique. Éliminer le convoi. Ok. Alors, on peut utiliser un mortier et il faut qu'on essaye d'éliminer les unités SS dangereuses d'abord. Très bien. On n'a aucun backup des forces alliées. L'ennemi est en train de partir en retraite, ok, enfin de se replier. Mission difficulté médium. On a toujours 10% de trucs. Alors du coup, on va peut-être prendre des mines pour le coup. Quoi? Au cas où on ait peut-être l'occasion d'en poser. Je sais pas exactement comment on fera, mais peut-être qu'il faut être un sapeur pour le faire, mais des fois que
On y va comme ça. Donc on a bien nos munitions, il a bien son équipement. Pareil. Là on est bon. Là on est bon. Et là on est bon. Ok. Et bah... Go! Go pour le convoi en bûche! Si on a un petit mortier, on va se faire plaisir. Alors, comment ça fonctionne? Ok. Direct, on détruit la petite bagnole d'escorte. Parfait. Ah cool, ça va tuer. Ouais, c'est le moment. Alors, on a des objets interactifs hein, qu'on pourrait utiliser. Mais on a des pénalités dessus si on n'a pas les bonnes compétences. Ça, on avait vu. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme objet potentiel? SS Viking! La 5e Panzer Division SS Viking. Cette division contient des petits contingents de volontaires étrangers du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Estonie. De plein de gens pas cool, enfin pas cool, qui sont fort sympathiques mais qui visiblement avaient envie de soutenir les nazis. Entraînement d'élite, armement standard, équipement standard. Ils peuvent utiliser l'Overwatch et le Hunker Dawn et ils ne paniquent jamais. Ok, très bien. Alors, Martin, il est en train de faire le mortier. Recommandé de classe, heavy gunner et commando. Ok, non, parfait, tu vas rester là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme objet interactif potentiel? On n'a pas grand-chose en vrai, hein, semblerait-il. Ah, il y a des grenades tout là-bas. D'accord. Encore faut-il aller le chercher. Donc le truc interactif qu'on a, c'est le mortier, on dirait. Et là, il y a des munitions. D'accord. Alors, Yvan. Tu vas rusher chercher les munitions. Toi, comment ça marche le mortier? Tu peux tenter un tir au mortier sur ces deux gens-là. Ça me paraît pas inintéressant. Là, c'est trop loin, visiblement. Ouais, bah là c'est pas mal. Hein. On se fait un soldat et un SS. J'espérais pouvoir faire péter la bagnole, mais ça n'a pas suffi. On a entendu le petit gling, mais ce n'était pas suffisant. Alors, toi, du coup, tu vas courir chercher les grenades. Et donc, il nous reste toi. Tu peux tirer à 9% sur ce monsieur. Qui n'est pas très intéressant honnêtement, mais ça veut dire que tu as quand même une vision là, donc si quelqu'un bouge, tu peux réussir des trucs. Voilà. Donc on va te mettre en Overwatch. Et toi, tu as un tir là-dessus, mais ouais, toi, tu es à la mitrailleuse, toi. C'est pas ouf. C'était franchement pas ouf. Donc on va te placer plutôt par là. Hop. On va vider toutes nos réserves si on peut, de... Ah oui, on était caché, tiens, excellent. Et là, non, pas d'Overwatch. Ok, pas de souci. Allez, mettez-vous un peu en tas, là, qu'on se fasse un petit tir groupé, ce serait bien. Oh, putain, sérieux? Oh la vache! Oh la vache! Non mais sans déconner les mecs, faut se détendre là. D'accord, donc là on est mort en fait.
Alors, est-ce qu'on a un tir sympa à caler? Ça, c'est pas mal. Et salut Squash, bienvenue sur le live. Enfin un jeu en tour par tour et en solo. Et quel jeu? On tue les nazis. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt eux qui nous tuent, mais. On va essayer de se faire les deux SS là. Ça m'a l'air d'être les plus dangereux présentement. Voilà, ça c'est fait. Deux de moins. Toi, du coup, tu cours jusqu'ici. Tu ramasses les grenades. J'ai l'impression que tu en as avoir besoin. Tu vas te mettre. Voilà, couverture complète. Tu l'achètes direct si on peut jouer les nazis, pas l'inverse. Eh bah écoute, non, pour le coup, on ne peut pas jouer les nazis. Enfin, en tout cas pour le moment. Et c'est pas trop la thématique, donc ça m'étonnerait grandement qu'on puisse à un moment. Alors là, du coup, tu pourrais tirer sur lui à seulement 18%. Enfin, de toute façon, t'es blessé. Donc en vrai, il faudrait que tu te replies, toi, mais. Ça fait un peu mal au cul de se replier tout de suite, mais bon. Si on se replie là, on peut faire un hunker down. Donc on va se replier là et hunker down. Toi, tu vas prendre ça. Voilà, un petit peu de munitions et tu reviens. Ici, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et là, du coup, pas moyen de tirer, même pas sur lui là. Si je bouge, je pourrais pas tirer de toute façon. Donc on va faire un Overwatch au cas où ils veulent grimper. Oh putain! Et c'est le restart. Ah la vache! Cette embuscade de l'enfer, quoi. Bon, alors je pense que notre premier tir de mortier était pas mal, mais l'idéal ce serait de réussir à péter le camion. On va plutôt tirer un peu plus proche de lui. Voilà, parfait. Ça, c'est propre. Non, pas d'Iron Man. Ah non, c'est un jeu microprose en mode très vénère. Pas d'Iron Man, Squash. Je me permets une seule sauvegarde. D'autant plus que c'est une version preview. Hein, il n'est pas encore sorti, donc on n'est pas à l'abri de crash. Mais pas d'Iron Man. Du coup, ce serait mieux si tu avais une couverture un peu plus lourde que cette daube de caillasse là. Donc replie-toi. Et toi, bah pareil, le problème c'est qu'avec ton PM là. 0% hit chance, ça fait quand même pas énorme 0% hit chance quoi. Pas se mentir. Et globalement, s'ils veulent grimper, il faut qu'ils viennent par là. Donc en vrai, on est potentiellement mieux placé là, éventuellement par là-bas. Donc ouais, tente donc de passer par ici, toi. On passe le tour. Bon, du coup, ces deux-là sont morts et lui est bien endommagé, et ça fait bien plaise. Alors, on était planqué, mais maintenant on est révélé. Ça change pas. Lui, il a quand même moyen de nous tirer dessus, mais il nous rate. Parfait, ça fait plaise. Lui, il saigne. Ah, il prend que 6, lui. Ah oui, il prend que 6. Normalement, c'est 12 sur un soldat standard, mais il doit avoir, j'imagine, un bonus quelconque. Ah, ils en veulent à mon soldat. Alors, est-ce qu'on a un tir intéressant déjà? Ouais, là, pourquoi pas. Pourquoi pas sur ces deux soldats-là. Un tir complet pour buter juste un. Après, c'est un SS. Hein. Ça reste un mec qu'on a envie d'éliminer vite. Mais bon, on va diminuer les tirs un petit peu. Voilà, excellent, ils sont blessés comme ça.
Toi, tu vas chercher les grenades. Lui, il est toujours caché pour le moment. Donc, on aurait potentiellement moyen de faire un mouvement de flanc. Ça me paraît risqué. Ils sont tous en train de courir par là. Le temps qu'on fasse le tour et qu'on trouve des tirs, nos potes seront morts. Donc, on va revenir plutôt. Alors, toi, tu changes ton arme. Pour le moment, on a 0% de chance de toucher quoi que ce soit. J'ai presque envie de me replier un peu plus loin encore. Toi, tu récupères le loot. On a du loot, hein. Clairement, il nous le faut. C'est tellement rare, les ressources, que... Pas s'emmerder. Reviens là. Toi. Reviens là. Et toi, mon cher. Ah, tu peux pas aller jusqu'ici. Zut, c'est embêtant. Pourquoi? Parce que t'es encombré, quoi? Quel honneur, t'es encombré? Pourquoi t'es encombré? Ah, t'as les mines et t'es encombré à cause des mines. Putain, j'avais pas fait gaffe à ça. Trade? Tu peux donner ça à quelqu'un? Out of reach, merde. J'avais pas percuté. Du coup, s'il se met à un endroit pas hyper bien protégé, c'est un peu la loose. Alors on peut essayer de courir et espérer pas être vu. Du coup, est-ce qu'on peut trade là? Avec lui par exemple. Alors toi, tu récupères les mines. Non, putain, elles sont hyper lourdes. T'en prends un certain nombre. Toi, t'es un peu encombré. Ouais, ça me coûte des points d'action de faire ça, hein. Donc là j'ai plus de points d'action. Mine de rien, ça pèse une mine. Bah surtout que j'avais prise comme c'était une embuscade, et puis je me disais peut-être que je pourrais les placer avant, un truc du genre, mais absolument pas. Et comme j'ai l'impression que je peux pas les utiliser, je pense, parce que je ne suis pas un sapeur, bah elles me servent à rien. Donc non seulement elles m'encombrent, mais en plus elles me servent à rien. Moins 20% de chance, 2 points d'attaque. Et 100% de prix de mouvement. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait un peu mal. Du coup, viens là. Est-ce que tu peux éventuellement trade avec l'autre qui est un peu plus loin? Non. T'as plus de points d'action. 0 AP, 0 AP, 7 AP. Il faut des AP des deux côtés pour pouvoir trade. Donc on le fera au début du prochain tour. Hein. On avait un sapeur qui n'était pas noir, mais malheureusement il est décédé. Ok, ça se replie un peu. J'ai pas regardé si ça se trouve on a un temps. J'ai pas regardé si on avait un temps. Faut que je regarde si on a un temps. Le mouvement de flanc reste pas forcément déconnant du coup. Quels sont les objectifs? Tuer tous les ennemis. Ok, on n'a pas de temps particulier. Donc on va se permettre là de... Voilà, de rééquilibrer un peu. On est toujours encombré si je lui donne. Non, il passera à 2 AP. Alors attends, hop. Tac, et toi, t'as 24 AP déjà, hein, avec tes 2 mines. Ouais, mais je préfère encore que ce soit le piou-piou qui soit encombré en fait. Voilà, on avait toujours caché le piou-piou d'ailleurs, c'est rigolo. Du coup, là. Mais là, on se met en Overwatch. Alors, toi. Là, il y a un tir pas dégueu. On peut aussi se faire le viking, mais on le fera peut-être au prochain tour. Il nous reste encore un tir de mortier après. Dans le langage jeune, un sapeur, c'est un mec qui se sape bien. Ah ouais, alors là, pour le coup, tu me l'apprends, Squash. Je n'avais absolument pas cette référence. Et pourtant, un Congolais, c'est une pâtisserie. Très bien. Je vois que ça troll dans le chat. Alors là, je pense qu'il est suffisamment proche pour nous tirer dessus, le monsieur. On va se foutre en Overwatch. Toi, tu vas te mettre là.
Overwatch, et toi, bah, tu restes avec ton mortier pour le moment. Ok, il nous a révélé là. Ah putain, salaud. Ah ça c'est le problème, hein, avec les fusils, ils nous touchent. Alors que nous, on a des armes automatiques, donc on n'est pas aussi précis. Ok, ils vont crever, on s'en occupe plus. Attends, le mortier, il nous aide quand même vachement, hein, sinon hein, ce serait la merde. Hein. Du coup, je pense qu'on va, on va se faire un tir sur lui. Un tir à peu près dans ses pieds en prenant les deux autres qui sont un peu endommagés pour voir si on peut pas les finir. Lui est mort. Lui est blessé, il saigne donc il va probablement crever. Lui il perd 6 HP mais il en reste encore 16 donc il est pas encore mort. Mais bon, au moins ils ont les blessures. Ah, ils ont pas les mêmes blessures, c'est 2 points d'attaque supplémentaires. Deux points d'action pour attaquer. Mais ils ont pas le malus de. De hit chance. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors toi du coup. Tu peux te permettre de tirer sur lui. On flanque. Voilà, parfait. Ah oui, les fameuses têtes de nègre, squash. Oui. C'est vrai que ça pouvait être un peu problématique. On va se mettre là du coup pour avoir une couverture. Donc là on n'a plus de munitions. Donc on lâche le mortier. On sort notre arme et on va se bouger le cul. Ici. Coco, est-ce qu'on peut te balancer une petite grenade sur la mouille? Pas forcément. Par contre, il y a peut-être chance que toi tu le vois. Non, t'as même pas de ligne de vue quoi. Ça fait chier. Qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Ils sont assez loin. Donc on peut se permettre de s'approcher avec nos gars. C'est un jeu avec campagne ou bac à sable. Juste des missions sans suite. Alors il y a une partie gestion de campement. Où tu dois gérer tes ressources, construire tes bâtiments, améliorer tes bâtiments, etc. Et une partie mission. Mais c'est pas. C'est une campagne, mais les missions, elles arrivent comme elles arrivent, quoi. Ouais, on ne voit pas, hein, il est planqué, ce petit con. Ok, on progresse. Et là, il va nous sortir une grenade et on va avoir l'air malin. Il nous rate. Le moral se casse un peu la gueule, mais il nous rate. Non, c'est pas du Last Renome, non. On est plus sur un XCOM-like que sur du Last Renome. Ah, l'enfoiré. Il a fait mal. Bon, du coup, ils sont visiblement en train d'en vouloir à mon médecin. Donc on va courir l'aider. Si on peut. Ça, c'était pas un truc interactif, non. Il y a le mortier qui est interactif, mais c'est tout. Du coup, on peut se faire lui ou lui à 77. Allez. On garde un peu de ressources, on se replie du coup. Voilà. Un peu de points d'action. Alors là. Où est-ce que je peux me mettre en ayant. Une opportunité de tirer. Pas trop d'endroits en fait. Hein. Alors là, du coup, on va essayer de viser un max, 63% de chance, et on le rate quand même. Tac, tac, tac. Pas cool. Ah, je peux venir jusqu'ici pour lui mettre un petit tir de pistolet. Ça voilà, ça va peut-être lui donner envie de bouger. Est-ce que je me mets là?
retour. Tu peux plus bouger. S'il décide de se replier par là-bas, ça va pas marcher des masses. Je vais juste me mettre juste là. Mettre un petit Overwatch. Ok, lui son bleeding disparaît pas, donc il va crever au prochain tour du coup. Allez, lui il me tire dessus à bout portant, le fumier. Et après il bouge et il prend un raté. C'est bien joué de sa part. Hein. Ouais, du coup il se replie pas très loin, mais... Mais c'est bien joué de sa part. Ici on va continuer de courir en fort. Ouais, lui on n'a pas de vision. On va se replier, faire un overwatch. Alors toi, là, je peux peut-être l'allumer avec, avec mon gros flingue. Là. Ouais, j'ai un moins 15 de chance. Du coup, on le rate. Ah, mais il panique. Bon, ça m'arrange presque pas. Ça m'arrange presque pas, franchement. On va aller jusqu'ici. En overwatch. Et toi, bah jusque là, 5% de chance, ça fait pas lourd. Vas-y, Overwatch. Lui, il meurt du saignement comme prévu, il lui reste un PV. Oh putain, il nous touche quoi. Waouh. Le mec a un PV qui fait le fumier quoi. Du coup, un petit medikit, hein, t'es un médecin après tout. Bien qu'on les utilise à un moment. 8 HP, ça soigne. Putain, c'est naze. Ah, sérieusement, 8 HP, quoi. Oh la vache. Avec ce type de jeu, je préfère de loin que si un pourcentage est annoncé... Soit pas je touche ou je touche pas, mais je distille le pourcentage de dégâts à coup sûr. Ce serait plus tactique et indépendant de la RNG. Ça pourrait être une idée, ouais, effectivement. On va se replier du coup. Se mettre en couverture complète, un peu plus loin. Lui est toujours caché, donc il nous voit pas pour le moment, techniquement. Donc là, ça fait chier. On peut pas vraiment avancer avec toi. Donc je pense qu'on va se replier en fait plutôt. Avec toi, on se replie. Et avec toi, on va Overwatch. Et toi, 5%, on va Overwatch. S'il a envie de revenir, il reviendra. L'autre avec un PV, là, il m'a fait tellement mal. Ok, on rate. Et on rate. Oui. On panique. Panique! Donc une fois qu'on atteint 0, on panique, ok, très bien. Et si on la soigne ou si on a le Warcry, ça l'enlève, ok. Bah on a ni le Warcry, ni rien d'autre pour le moment. Par contre, on a des grenades. Il a un chouïa trop loin. Alors jusqu'où il peut avancer? Ok, jusque là. Vas-y, balance-leur une petite grenade juste à leur pied, là. Celle-là, elle me plaît bien. Ça tombe juste au pied du mec qui a le plus de vie. Un petit niveau pour machin. Parfait, donc toi, tu feras rien parce que tu paniques. Et en plus, là, on a un beau tir, du coup. 93% pour le finir. Voilà. Donc il reste Coco là. Ici on est toujours caché, donc on va se contenter d'une petite surveillance. Techniquement il peut pas nous tirer dessus.
Toi, il te reste 11 PV, tu vas te détendre. Toi, tu peux commencer à avancer. Toi, t'as récupéré ta panique, c'est cool. Viens donc par là. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, il va donc pouvoir me tirer dessus et pas moi, parce qu'il a beaucoup plus de portée. Si je vais jusqu'ici, je peux tirer. Enfin, je peux faire un overwatch plus précisément. Alors, oh, il y a du loot là. Ah bah, vas-y. Carrément, on loot. Plutôt deux fois qu'une même. Il va peut-être pouvoir me tirer dessus, mais bon, je suis encore relativement bien protégé. Par contre, niveau couverture là, pour avancer, c'est un peu de la daube. Il va être loin, mais on va quand même tenter un tir d'ici, je pense, 33%. On peut monter à un petit 43%. Il y aura malentendu, hein. Ce serait passé. Et tu vois personne, donc tant qu'à faire, va là, voire même ici. Toi, tu glandes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme position? Il y a du loot là. Ah, mais il y a plein de loot en fait. Je vais pas du tout regarder, mais. Ok, t'as un petit peu de loot à prendre. Pas assez d'AP. Mais ça, c'est une couverture complète par contre. Mets-toi donc par là, en couverture complète. Et toi, tu vas courir jusqu'ici. Jusqu'ici, jusqu'ici. Voilà. Fin de tour, fin de tour, fin de tour, fin de tour. Il m'a pas touché, rassure-moi. Non, il m'a pas touché. On a un petit 61%, donc avant on va loot. Hop, des petits fusils et des munitions. On est encombré. Franchement, je m'en remettrai. Rien d'autre à loot. Non. Donc le tir va être pour toi, mon cher. 81%, il reste un PV. Voilà. Merci. Ok, bah c'était pas simple quand même, hein. On était sur une difficulté médium, mais le mortier a fait le taf. Très clairement. Voilà, du coup il contre-attaque en Ukraine aussi. Et les soviets commencent à bien nous aimer. Il faut qu'on mette en pause parce que ça se met pas en pause. Alors du coup, on va en profiter. Moscou. Envoie-nous quelques ressources, s'il te plaît. Et il faut qu'on regarde nos personnages. Donc on a plein de niveaux. On va commencer par l'inventaire déjà. Genre les mines, faut qu'on les dégage. Alors les mines, c'est du ça, j'imagine. Voilà. Hop. On recharge. On recharge. Hop, on recharge. Toi, t'as récupéré plein de flingues. C'est 20 AP pour tirer ça. Non, 18 AP, 18 AP. Mais toi, c'est 20 par contre. C'est marqué 20. Ah non, j'ai fumé la moquette. C'est pas du tout marqué 20. Donc, on a plein de Mother K98 qui traînent. On va virer les mines, voilà. Charge, t'as pas utilisé ton flingue. Et là, on charge. Ok. Et là, on charge. Bon, pas mal, pas mal, pas mal.
J'aimerais bien à un moment réussir à un message aussi avec le weapon dealer là. On va tenter. On va tenter. Du coup, le moral est bien remonté et on a de la nourriture. Excellent. Est-ce qu'on peut éventuellement améliorer ça? On peut améliorer ça. Autre question, est-ce qu'on peut faire une deuxième baraque? Non. Né. Là, on est en cooldown, donc je pense qu'on va l'améliorer du coup. D'autant plus que il va falloir qu'on commence à chauffer. Et bah, ça va être problématique. 17 septembre, on pourra envoyer les mecs en mission. Ok. Faire une petite sauvegarde. Hop. Alors, qui nous parle? Non, le Spy Network, ils veulent pas nous aider. Et ça va être Moscou. On a décidé de vous envoyer des trucs, parfait. Attendez-vous à de l'aide des travailleurs héroïques de l'Union soviétique. Parfait. 700 de bouffe et 213 de médecine. Excellent. Et on a notre petite cabane. C'est sûr que c'est plus cosy. Boost moral. Parfait. Baraquin has been upgrade. Donc du coup là, normalement, on devrait plus avoir de problème de morale. Et on peut envoyer une expédition. Ah, j'ai pas fait les niveaux. Les niveaux. Non, pas là. Ici. Alors lui, il a enfin son niveau. Il va pouvoir choisir ce qu'il veut devenir et je pense que un sapeur serait un must-have. Alors il a Avenger, Iron Man. Donc sapeur, il peut placer et désactiver les mines. Très bien. Il peut ne pas saigner, mais il a pas le Iron Arms pour porter plus. Et ça, c'est le Avenger. Quand il meurt, il va attaquer à un ennemi. Non, une unité n'importe laquelle meurt, il attaque automatiquement les ennemis visibles. À 40% de pénalité. Ok. J'aimerais autant que ça n'arrive pas. Alors, toi, tu peux monter Dexterous, Guardian, Reduce Overwatch Penalty. Ça, c'est pas mal, ça. Mais on va quand même prendre le 30% d'XP en plus, parce que ça va nous aider. Alors, toi, t'as Lucky Bastard. Ok, une chance que les ennemis qui nous touchent, finalement, ratent. Là, on peut monter le moral. On peut aussi améliorer... Améliorer le soin, on va améliorer le soin. Et du coup, tu peux prendre un petit perk, on va te fier de l'intelligence. Toi, la force. T'es un heavy gunner, donc tu vas porter des gros trucs. Hein. On va te filer plus de force, ouais. Et au niveau du perk. Ah, on peut prendre le No Pain, No Gain. On a Prospecteur aussi. Des chances de détecter les mines ennemies pendant le mouvement ou au début du tour. Ok. Mais virer le malus du Heavy Gunner me paraît quand même un must. Alors oui, j'ai pas regardé non plus, mais on a des gens à soigner. On a des gens à soigner. Donc du coup, toi, tu vas jouer le docteur. Parce que malheureusement, notre médecin principal doit se soigner. C'est parti. Au taf. Attends, on a déjà trois lits, hein.
On voulait plus de lits. Ça coûterait un peu d'argent, mais ça reste acceptable. On verra si ça vaut le coup. Et ici, au niveau des trucs endommagés, on a 88, 92, 95, 96, 98, ça va. Franchement, pas la peine de s'exciter. Hop. Du coup, là, j'ai envoyé des gens. Non, j'ai envoyé personne et on a personne de dispo. Bon, bah, du coup, on m'a envoyé personne. Hein. Du coup, personne de dispo. Tout le monde est en train de se soigner ou de travailler. Alors, je pourrais peut-être enlever lui. Non, même pas. Lui, il est en train de se soigner. Donc, il n'y a même plus personne à la radio. Tout le monde guérit tant bien que mal. Bon, on a réussi à éviter des nouveaux décès, c'est quand même cool. Parce que les deux décès de la première mission, ils ont un peu fait mal, hein, on va pas se mentir. À ce rythme, on aura plus de médicaments le 23 octobre et plus de bouffe le 26 novembre. Ah, on est bien niveau bouffe là. On est bien. Allez, voyons voir ce qu'on a. Alors, on a Alexandre qui a quitté le truc. C'est qui? C'est lui. Ces deux-là, là, ils peuvent pas aller faire une petite expédition des familles hein. Qu'est-ce qu'il fait l'autre, là? Où est-ce que t'es? Pourquoi tu ne peux pas faire d'expédition? Ah non, c'est vrai, il est cuisinier lui. Il bosse à la cuisine, oui, donc... clairement, c'est important, on peut pas l'enlever. Mais on peut peut-être envoyer lui... un peu de bois. Ce sera toujours ça de prix. Hein, 63% de chance. Allez, vas-y, go. Avant que les autres, ils se soignent. Un événement. Ah, il est déjà de retour. Il n'a pas réussi à trouver du bois. Bon bah, tant pis. Tempi. En attendant, retourne donc à la radio. Ça va. Ici il reste lui à guérir, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre toi. Là, au moins tu feras un peu d'XP. Ok, tout le monde a quitté l'hôpital et là on peut renvoyer une petite expédition pour la chasse ou pour le bois. Plutôt pour le bois. Donc plutôt toi, du coup, tout seul. Lui, il met un malus. Il n'a pas assez de force. Donc allons-y. Donc là aussi, il faudrait qu'on mette, qu'on le remette à bosser. Ah, c'est trop rapide, ça. Ça sent l'échec. Oh non, parfait. Il a récupéré 420 de bois. Excellent. Retourne bosser. Faut que tu te passes un petit peu d'XP. Alors, pourquoi consomme des outils, là? Ah oui, il a vu ce truc-là à terminer de réparer, c'est vrai. C'est l'heure d'aller faire du sport. Eh bah, merci d'être passé, Squash. Bon sport à toi. À bientôt, gueux. J'avais compris l'heure, t'inquiète. J'arrive à tout le monde de faire des petites mistapes. Ah, une nouvelle mission. Parfait. Qu'est-ce qu'on va nous proposer de beuh?
Une mission des USA. Ok. Quelque part en Pologne. Éliminer l'ennemi et capturer la position stratégique. Très bien. Qu'est-ce que ça raconte? Les ennemis ont mis en place un checkpoint dans cette zone, ce qui gêne nos opérations et bloque nos efforts de sabotage. Votre mission est de lancer l'assaut sur cette position fortifiée, neutraliser les forces ennemies, sécuriser le checkpoint. Prendre le contrôle de cette position est essentiel pour remettre en route notre machine dans la région. Alors, attention aux machine gun ennemis. Oh putain. Attention, les ennemis ont mis des mines. Très bien. Mais j'ai plus du tout l'outil pour les défuse de toute façon, donc je pense que je pourrais rien en faire. Enfin, moi, je les détecterai. Alors, on aura des standard units et on aura des paratroopers. Bleh. Les forces ennemies ont mis en place une nouvelle position défensive. Alors, je peux pas revenir en arrière. Si je peux revenir en arrière. Du coup, je vais arrêter là l'épisode de VOD. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!